Je suis Amina Selali, directrice de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, une des 20 écoles nationales supérieures d'architecture publique française. On a pris le parti d'intégrer l'université cible avec l'université de Marne-la-Vallée, ESIER Paris, l'ENSG, l'école des ingénieurs de la ville de Paris et l'IFSTAR. Donc un projet ambitieux, très enthousiasmant d'un point de vue intellectuel, mais en même temps qu'il faut accompagner, d'où ces séminaires de connaissances réciproques qu'on organise. L'organisation du séminaire, ça a été une demi-journée de plénière avec la volonté de faire participer un maximum d'enseignants et de chercheurs de l'école, de façon à présenter toutes les activités qui pouvaient se dérouler dans une école d'architecture. Ensuite, on a pensé un certain nombre de visites, donc visite de l'atelier maquette, où on découpe, on fabrique, on construit donc des choses, c'est très matériel et concret. La visite de la bibliothèque, parce qu'on a un très bel espace avec un fond très riche à la fois en ouvrages, revues et puis vidéos. Une visite du bâtiment en lui-même, puisque c'est l'œuvre d'un grand architecte suisse. Ensuite, on a également une visite du DSA, enfin une formation de troisième cycle d'architecte urbaniste. Là, très concrètement, on va voir ce que font des architectes diplômés en situation quasiment réelle de commande. Dans le cadre des ateliers qui vont se dérouler à l'école, on a plusieurs thématiques qui vont des ressources humaines en passant par la question des matériaux et des structures, la place de la recherche dans la société, l'articulation formation et recherche, des thèmes qui sont très variés, dont l'objectif est surtout de permettre aux gens de discuter, d'exposer son point de vue, qu'on soit enseignant, qu'on soit chercheur, qu'on soit administratif et pas forcément du domaine. L'objectif étant qu'on travaille ensemble à un moment donné, il est nécessaire de se connaître un petit peu au préalable et donc c'est l'objectif de ces ateliers.